Je vais vous parler des enjeux éthiques de l'IA et de la robotique. Moi, je vais me focaliser là-dessus. Alors, ce que on peut dire, c'est que la science, la technologie, ne sont pas neutres. La recherche scientifique, et le développement technologique sont financés selon des motivations et ils ont un effet sur la société. Et ils ont des effets sur nos modes de vie. Au quotidien, regardez toutes les technologies qui sont autour de nous, mais là, si on parle d'intelligence artificielle et de robotique, on parle beaucoup, par exemple, de développement de robots pour accompagner les personnes âgées. On parle beaucoup de développer des voitures à conduite automatisée. Donc, il y a des effets directs sur les modes de vie et donc aussi sur les valeurs humaines, hein, comment ça soulève des questionnements sur la nature de ces robots qui nous accompagnent, par exemple, hein. Qu'est-ce que ça veut dire une voiture autonome? Est-ce qu'elle est vraiment autonome? Ça a un impact sur la société également. Les effets sont parfois globaux parce que ça diffuse partout. Ce n'est pas quelque chose qui reste confiné à un environnement local. Et à long terme, c'est-à-dire que les effets peuvent n'apparaître qu'à long terme. On ne se rend pas compte de leur impact. Les effets peuvent être cumulatifs, ils peuvent être irréversibles et bien sûr, ils peuvent présenter un risque existentiel, c'est-à-dire de destruction d'une bonne partie de l'humanité au moins. Donc j'ai illustré un peu, hein, c'est mon propos, parce que ceci nous amène à nous interroger sur ces technologies. Et ce questionnement est un questionnement éthique. Alors, d'abord, je vais introduire qu'est-ce que c'est que l'éthique. On mélange souvent le mot éthique et le mot morale. Et moi, je vais suivre le philosophe Paul Ricoeur qui distingue les deux. Alors, éthique, en réalité, vient du grec ethos. Et ethos signifie caractère, coutume, mœurs. Hein, ça ne se traduit pas par un seul mot en français. Et la morale, ça signifie à peu près la même chose, mais c'est du latin, ce n'est pas du grec. Et c'est ce qui est relatif aux mœurs. Donc, eh bien, cependant, avec les réflexions qui ont été menées dans les domaines de l'éthique et de la morale, il y a une distinction. Et il faut la faire. Et je crois que Paul Ricoeur l'énonce très bien. Il dit que c'est par convention, justement, pour distinguer l'une de l'autre, que je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, et celui de morale pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d'universalité et par un effet de contrainte. Donc, quand on parle de morale, en général, il y a des normes. Ces normes peuvent être tout simplement sociales, des obligations sociales ou religieuses. Finalement, on nous, d'une manière ou d'une autre, s'est imposé à la société, au comportement individuel. Alors que l'éthique, ça vise à la vie bonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire la vie bonne? Ça veut dire répondre à la question que Emmanuel Kant s'est posée, ces trois grandes questions fondamentales. C'est répondre à la question que dois-je faire? L'éthique, c'est un cheminement, c'est une réflexion personnelle ou collective sur les décisions à prendre. Ces décisions, ce n'est pas n'importe quelle décision, ce sont des décisions qui impliquent des valeurs morales, hein, pour revenir sur le terme, c'est-à-dire. Finalement, quelque chose qui questionne profondément notre humanité. Les valeurs morales, c'est la dignité humaine, c'est l'intégrité, c'est les valeurs morales, c'est le bien-être mental, c'est la liberté, la fraternité, l'amitié. Vous voyez, tout un ensemble de sujets qui ne sont pas faciles à définir. Mais qu'on reconnaît comme étant quelque chose auquel on donne de la valeur. Et cette valeur est une valeur qui n'est pas matérielle, bien sûr, on ne peut pas acheter la dignité humaine, on ne peut pas acheter l'amitié. Et donc, ce sont des valeurs morales. Donc, la question, c'est quelle est la décision la plus juste
compte tenu de possibles tensions entre les valeurs, parce que ce n'est pas parce qu'on a des valeurs qu'elles ne sont pas en contradiction parfois les unes avec les autres. Je chéris ma liberté, c'est une grande valeur. Je veux aussi être en sécurité. Parfois, elles rentrent en tension toutes les deux. Ce sont des dilemmes donc qu'on est amené à se poser, et c'est cette réflexion éthique qui nous permet de prendre des décisions compte tenu justement de ces dilemmes. Donc, cette réflexion, elle peut pas se faire d'une manière indépendante de la réalité, c'est-à-dire d'un contexte donné. Elle est ancrée dans une situation. Et il ne s'agit pas d'appliquer une norme, une loi, sans la comprendre souvent, ni des prescriptions. Il s'agit véritablement de réfléchir pour décider. C'est ça l'éthique. Et donc, dans le domaine de nos technologies, il y a un questionnement éthique à se poser. Mais ce questionnement n'est pas facile. D'abord, on peut se poser la question du moment. Quand est-ce que il est opportun de réfléchir aux enjeux éthiques? Alors, j'ai entendu Nicolas tout à l'heure dire qu'il faisait de la recherche fondamentale et qu'il ne voyait pas d'enjeux éthiques dans le développement du robot qu'il nous a montré. Alors, ça peut être vrai. Est-ce que Marie Curie, au moment où elle a essayé de découvrir et d'isoler le radium, pensait à la bombe atomique? Non, c'était difficile à imaginer. Il fallait que la recherche en physique avance un peu plus pour qu'on comprenne justement que la formidable énergie qui est dans l'atome, on pouvait la libérer et dans une réaction en chaîne. Et ça n'a été, en fait, on y a pensé hein, dans les années 20 et 30, mais ça n'a été vraiment mûr que dans les années 30, à un moment donné. Donc, il faut comprendre les enjeux. On peut, à un moment donné, ne pas réaliser. Mais la robotique, Elia, ce n'est pas la physique nucléaire. Et pourquoi? Parce que la recherche dans ces domaines est souvent financée avec des motivations d'application. On nous demande, quand on dépose des projets scientifiques, même des projets très amont, très fondamentaux, quelles sont les applications possibles? On nous demande de réfléchir à ces applications-là. Et donc, on a toujours comme justification de mener telle ou telle recherche que ça pourrait servir à telle ou telle chose. On ne fait pas de recherche dans nos domaines, on n'est pas financé dans nos domaines, je le précise, juste en disant ben, je recherche à comprendre l'intelligence. Ben, ça, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut bien comprendre aussi le rôle des agences de recherche et donc de l'État et donc aussi des financements privés dans le développement de la recherche. Et aujourd'hui, dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle, l'agenda de la recherche est de plus en plus dicté par des intérêts privés et de moins en moins dicté par la recherche publique qui cherche à étendre la connaissance. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement un déséquilibre dans le monde de la fortune. Les États commencent à être moins capables de mobiliser des sommes suffisantes pour soutenir une recherche très 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 avancée par rapport à ce que faire des entreprises, en particulier dans nos domaines, celle de la Silicon Valley. Et ça, c'était déjà un questionnement éthique, hein. Qui décide des sujets de recherche? Deuxième point, souvent, quand on commence ces discussions-là, on nous dit, ah, mais vous voulez traiter les questions éthiques, mais vous allez freiner l'innovation, parce que si on se donne comme objectif de ne développer que ce qui est éthique, alors qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas innover, on va s'empêcher de développer certaines choses. Moi, je m'oppose clairement à cette réflexion-là, parce que toute innovation n'est pas bonne, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation? L'innovation, ça veut dire avancer dans la création d'une technologie, de développement d'une idée, mais il faut réfléchir, c'est même un devoir, à ce que ça signifie et quelles sont les conséquences. Et souvent, quand on réfléchit, on trouve justement des conséquences qui sont à éviter et on peut décider
de ne pas engager certains travaux. Et il y a un lien finalement entre l'éthique, la régulation, ce qu'on appelle la régulation douce, c'est-à-dire des codes de conduite, hein, et la réglementation, c'est-à-dire la loi. Il y a un lien qui est à la fois un lien dans le sens où on réfléchit à l'éthique, on peut mettre en place ensuite des codes de conduite et de la réglementation, mais ça ne résout pas le problème de manière définitive, la réglementation. Il faut revenir en arrière et avoir l'éthique toujours présente à l'esprit, parce que là aussi, la réglementation, c'est des cadres très, très stricts qui sont définis et ça n'empêche absolument pas, justement, la réflexion éthique en même temps. Alors, pour focaliser sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire la robotique humanoïde, l'intelligence artificielle, sur cette planche, j'ai essayé de énumérer un certain nombre de sujets, d'enjeux éthiques, sociaux, juridiques soulevés par l'IA et la robotique, illustrés par quelques images. Alors, évidemment, le temps m'est compté, donc je ne vais pas aller dans tous les détails. Je vais juste faire quelques extraits. Après, je vais les illustrer, en illustrer certains. Donc, par exemple, quand on parle de détection des émotions, quand on parle de déployer des robots pour accompagner des personnes âgées dans lesquelles des problèmes d'attachement à la machine peuvent se poser. Par exemple, quand on construit des robots non pas seulement humanoïdes, mais androïdes, c'est-à-dire qui ressemblent vraiment aux êtres humains, n'y a-t-il pas des questions à se poser? Quand on développe des voitures à conduite automatisée, le sujet est extrêmement vaste sur les impacts éthiques. Il ne s'agit pas du dilemme, est-ce que la voiture, dans certaines circonstances, va aller écraser la personne A ou la personne B? Non, c'est tout notre mode de vie qui est impacté par le développement de la voiture à conduite automatisée. On peut se poser la question de la finalité. Pourquoi veut-on construire des voitures à conduite automatisée? Alors souvent la réponse est toujours du côté du bénéfice. Ah ben parce que on va sauver des vies, parce que évidemment c'est les humains qui conduisent les voitures qui sont responsables des accidents. Mais non, quand on regarde véritablement les statistiques, on voit que les accidents ça arrive dans certaines circonstances. Ce n'est pas juste parce qu'il y avait quelqu'un qui a pu. Il faut remettre en question aussi ces motivations. On peut regarder un certain nombre de points, en particulier pour les armes autonomes, ça a été évoqué tout à l'heure, comment cela pourrait transformer la guerre, non pas, là aussi, aspect bénéfique, pour que nos soldats ne soient pas engagés dans des combats de manière directe et donc être en danger, mais parce que ça facilite la guerre, au contraire. Et la guerre, ça ne touche pas que les soldats. Donc, il y a un certain nombre de sujets et je vais en illustrer quelques-uns que je n'ai pas évoqués pour le moment. Voici une vidéo, j'espère que vous la voyez fonctionner, où on voit donc dans une usine une ouvrière qui fait une partie du travail et un robot qui fait une autre partie du travail. Vous voyez qu'il y a une sorte d'interaction entre les deux. Est-ce que le partage du travail entre la machine, robot, et l'être humain, il est fondé sur quoi? Eh bien, il est fondé sur ce que le robot sait faire. Sinon, on essaierait de tout automatiser, évidemment, parce que c'est ça l'objectif, c'est de gagner en productivité et en temps. Et vous voyez que le robot, déjà, sait faire beaucoup de choses. Mais l'être humain, il a aussi des capacités que le robot ne peut pas dépasser. Par exemple, ce que vous voyez là, cette adresse avec laquelle la manipulation de ces objets se fait. Mais un jour, les recherches seront suffisamment avancées et les robots pourront remplacer les humains. Mais on peut se poser une autre question. Est-ce que le robot est un collaborateur ou est-ce que c'est un outil sophistiqué? Alors, dans cette usine qui se trouve en Asie, au Japon, vous savez que dans les pays asiatiques et au Japon, donc dans ce cas, le matin, on fait des exercices physiques hein, avant de commencer le travail. Et dans cette usine, on le fait aussi. Donc vous voyez, ici, tout le monde fait les exercices en question, les robots compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de faire ces exercices aux robots en même temps que les humains met les humains dans une situation où ils vont penser à ces machines comme des collaborateurs. Et ça, c'est une question éthique, parce que la machine n'est pas un être humain.
Voyons ici des robots anthropomorphes. Donc ça, c'est des travaux à l'université d'Osaka, où la création de ces robots Android est justement motivée par l'idée de comprendre la présence. Voilà. Et vous voyez ici la machine qui a l'apparence humaine, le comportement un peu humain, on voit qu'elle est agacée par le geste. Ça a été programmé comme ça. Et ça nous met dans une situation de malaise un peu, de voir la machine étant parfois peut-être maltraitée, puis réagir à cela. Et ça peut aller aussi à créer des androïdes qui ressemblent à des êtres humains existants. Hein, c'est le cas ici dans cette situation. Et vous voyez que l'androïde, en fait, il est téléopéré par une personne à distance. Hein, donc, en fait, il ne comprend rien à rien. Il est juste manipulé à distance comme une marionnette. Mais il a été fait à l'image de cette personne et donc créer une machine qui ressemble à une personne, c'est un sujet qui est important parce qu'il ne s'agit pas ici de cinéma ou de science-fiction, il s'agit vraiment de réalité. Et donc, il y a un problème sur l'identité, la place de la machine dans la société et l'identité humaine en même temps. Alors, essayons de voir côté intelligence artificielle un certain nombre de problèmes qui se posent. Les robots sont construits pour être intelligents, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser ces outils, ces mécanismes d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup. Hein, ce n'est pas juste du logiciel qui tourne. Et un robot qui observe une scène, par exemple, ici, en utilisant des systèmes d'apprentissage statistique, hein, puisque l'IA d'aujourd'hui est surtout fondée sur l'apprentissage statistique, il va répondre à la question, qu'est-ce qu'on voit ici? Il va répondre, je vois un homme assis à un bureau avec un ordinateur. Et quand on regarde pourquoi est-ce que le robot commet cette erreur, parce que nous on voit bien une femme, eh bien tout simplement parce que c'est un système d'apprentissage statistique qui a été entraîné sur des données où le plus souvent c'était des hommes qui accompagnaient des écrans d'ordinateur. Or, ce que vous voyez ici dans cette image, c'est on plaque sur l'image les zones où qui ont le plus contribué à la réponse, c'est-à-dire en fait les poids synaptiques du réseau de neurones artificiels qui a été le sujet de l'apprentissage, qui a été l'objet de l'apprentissage. Et ce que le système a reconnu sur cette image, là à gauche, c'est l'écran d'ordinateur. Et statistiquement, l'écran d'ordinateur est accompagné d'un homme, donc ça c'est un homme. Vous voyez que le système, d'une part, ne comprend rien à ce qu'il voit, mais d'autre part, effectivement, crée des biais et donc des discriminations quand il s'agit d'êtres humains. Un autre exemple, en parlant de voitures autonomes, c'est la sensibilité, le manque de robustesse de ces systèmes d'apprentissage statistique. Vous voyez ici, il y a un signe stop qui a été parmi les signes routiers sur lesquels la machine a été entraînée. On modifie un tout petit peu ces signes, on met quelques stickers dessus, vous voyez toujours un signe stop, mais la machine voit vitesse limite 45. Ce sont des signaux routiers américains. Et donc, aucune raison pour s'arrêter, évidemment, puisque vitesse limite 45 et catastrophe. Donc on ne va pas sauvegarder des vies de cette manière-là. Ça, c'est de nouveau le manque de robustesse de l'apprentissage statistique qui s'appuie sur finalement des régularités dans les données. Et ces régularités, ici, ressemblent plus, le score était plus proche de l'interprétation vitesse limite 45. J'ai demandé à ChatGPT 4o, c'est-à-dire la dernière version qui a été mise sur le marché le 13 mai, il y a quasiment une semaine, de produire une image. Et ce système utilise DALL-E, qui est un système d'IA génératif d'images qui lui est associé. Donc j'ai demandé de produire une image médicale réaliste d'un scan montrant les poumons. Montrant le foie, mais pas le cœur, hein. Absolument pas le cœur. Et voilà l'image que le système a produite. Donc le cœur, on le voit bien, il est là au milieu. Il crève l'écran en plus avec la coloration qu'on lui a mise. Que répond le système outre l'image? Il commente. Il répond, voici une image médicale réaliste montrant les poumons, le foie, sans le cœur.
Eh bien, ça veut dire que le système ne comprend pas ce qu'il a produit, parce que le cœur est là. Et en plus, il mélange le vrai et le faux, puisqu'il me dit qu'il n'y a pas le cœur, alors qu'il me montre le cœur. Ces systèmes peuvent être utilisés de la même manière pour produire des fausses images. Vous avez probablement tous vu le pape en doudoune. Le pape n'a jamais porté de doudoune blanche. Vous avez sans doute tous vu ces images où on voit Emmanuel Macron au moment de la grève des éboueurs dans la rue. Ça sont de fausses images. Donc, il y a des enjeux éthiques absolument fondamentaux qu'il faut traiter. Et j'attire votre attention sur ce rapport rédigé par le Comité national pilote d'éthique du numérique sur les systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Et j'énumère ici un certain nombre d'enjeux, les biais, j'ai déjà mentionné de manière générale, parce que je parle ici de l'IA, mais je parle ici vers le bas de la planche de l'IA générative, en particulier l'impact sur les valeurs éducatives, l'impact sur les métiers et les emplois, les enjeux juridiques, les impacts environnementaux, ça a été évoqué, mais ils sont énormes dans les systèmes d'intelligence artificielle, l'anthropomorphisation, le système, le dernier système, la dernière version de ChatGPT-4, qui utilise de la vidéo, de la voix et donc du son et des images et du texte, permet aussi d'avoir une interaction plus émotionnelle que précédemment. Que dans les autres versions. Donc, il y a une sorte d'anthropomorphisation, cette fois-ci pas par la forme pour ChatGPT, mais à travers donc justement les émotions. Alors, tout cela peut donner naissance à une réglementation. Et au niveau européen, il y a une démarche qui a abouti à la création d'une réglementation. Cette démarche a commencé en 2017-2018. Avec l'identification d'un certain nombre d'exigences pour ce qu'on a appelé une intelligence artificielle de confiance. Évidemment, la confiance ne va pas à l'intelligence artificielle, mais au processus et aux êtres humains, à l'organisation humaine, à la gouvernance pour produire ces systèmes-là qui respectent un certain nombre de valeurs éthiques et de principes éthiques. Et en particulier, les sept exigences qui sont là, la supervision humaine, la robustesse technique et la sécurité. Vous allez me dire, mais un système technique, ça doit être robuste normalement. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas des systèmes d'intelligence artificielle. Je vous ai montré un certain nombre d'exemples, avec par exemple les signaux routiers. Le respect de la vie privée, la gouvernance des données, c'est un sujet important, parce que tout ça s'alimente par des données. Et donc, la possession des données est un enjeu. La transparence, l'explicabilité, pourquoi le système a-t-il pris cette décision? On a déjà parlé de non-discrimination, le bien-être social, c'est-à-dire l'impact sur la vie, par exemple les fausses informations, l'absence de vérité, c'est un problème qui touche à la société, et environnemental. Et puis, qui est responsable? Eh bien, les responsabilités doivent être identifiées et le sont. Et pour conclure, au cas où vous ne seriez pas au courant, l'Europe donc s'est munie d'une réglementation européenne, on l'appelle par son petit nom AI Act, qui a fait l'objet de longues discussions et qui a été votée finalement par le Parlement européen le 13 mars 2024, donc tout à fait récemment, mais qui n'est pas encore appliquée. Son application va prendre quelques années. Et en tout cas, il n'a pas encore été promulgué officiellement. Après la promulgation, 6 mois après, il rentrera en application progressivement et ça va prendre 3 ans. Cette démarche s'appuie sur la notion de risque. Il y a un certain nombre de systèmes qui présentent un risque inacceptable pour la santé, la sécurité, la sûreté des personnes et les droits fondamentaux. Ben, ces systèmes seront interdits en Europe. Il s'agit en particulier, par exemple, des systèmes de scoring social, quand on vous donne une notation, une note selon votre comportement, des systèmes à haut risque, ces systèmes par exemple médicaux, des systèmes qui analysent des CV ou qui aident pour les interviews. Tout ça met en cause des droits fondamentaux. Ça, c'est à haut risque, donc ça doit être certifié, ça doit être vérifié.
Et puis des systèmes qui sont moins, disons, présentent moins de risques, qui eux doivent juste répondre à des exigences de transparence. Alors, pour qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense qu'il faut tout retenir, évidemment, mais si je veux résumer très rapidement, les technologies devraient être conçues dans le respect des valeurs et des droits humains. Les technologies, de nouveau, ne sont pas neutres. Et en particulier l'IA et la robotique, par le fait qu'elles soient très diffusantes et qu'elles soient en plein développement parce qu'elles sont très financées, pas partout, et pas par n'importe qui, hein, comme je dis tout à l'heure, mais elles transforment la société. Donc, raison de plus pour que le questionnement éthique soit là et que la réglementation existe. Ce questionnement éthique doit se faire dès le départ, dès la conception et tout au long du cycle de vie. Il faut se poser la question éthique. Pourquoi je fais ce système? Quelles sont les conséquences possibles? Faut-il le faire dans ce sens ou dans l'autre? Quelles sont les meilleures manières pour que les valeurs humaines soient protégées? Et bien sûr, une réglementation peut cadrer, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Je vous remercie. Je vais arrêter.